La police criminelle des réseaux sociaux, ils ont porté plainte contre moi. Attends. Hein? Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Ah bon? Et pourquoi? Je sais pas qui, du coup je sais pas ça vient d'où. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Qui se rappelle de notre influenceuse, femme d'affaires et actrice Muriel Blanche qui avait fait pareil à un jeune petit à Douala, où on nous annonçait que le petit était certainement pas à New Bell. Je ne sais plus si le petit était sorti ou s'il est encore là-bas. Voici encore une autre appelée Marie-Paul Adji, qui vient de foutre en prison ce jeune blogueur, influenceur, appelé Observateur. C'est notre jeune frère, collègue ivoirien. Il a passé son temps à diffamer, à manquer du respect à plusieurs personnes sur sa page Facebook. Il a plus de 2 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il est en train de lire, comme on dit souvent, derrière les barreaux. Appelez-moi le petit qu'on appelle le mauvais bébé et demandez-le de comprendre, de voir ce qui se passe. Parce que chaque jour qu'on dit à ses enfants, méfiez-vous, faites attention. Non, ils disent que non, ils comptent sur leurs abonnés. Est-ce que les abonnés, les plus de 2 millions, parce qu'il a 2 millions ou c'est 400 000 abonnés, est-ce que ces abonnés sont prêts à cotiser pour le faire sortir du fond de sa cellule de la prison où il se trouve? Je parle d'observateur. Voici ce qui s'est réellement passé. Écoutez attentivement. Écoutez très bien. Observateur est belle en prison pour injures et diffamation. On te raconte. Hier, au palais de justice d'Abidjan, nous avons vécu un véritable simulacre de justice au cours duquel Observateur a été détenu à la seule raison d'avoir publié une vidéo humoristique sur Internet. Observateur est belle est un humoriste influenceur très célèbre en Côte d'Ivoire et en détention provisoire depuis le mardi 16 avril. La police l'accuse d'injures, diffamation, atteinte à l'honneur et à l'image. Tout a commencé il y a 6 mois. Observateur, pour nous se font parler, poste une vidéo sur Snapchat dans laquelle il insulte l'actrice et présentatrice Marie-Paul Adji. Marie-Paul Adji, c'est une qu'est-ce qu'elle a raconté elle? Peu de temps après la publication de la vidéo, l'humoriste était revenu sur ses propos et s'était excusé auprès de Marie-Paul Adji. Pourtant, une plainte avait été déposée. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité et le laboratoire de criminalistique numérique ont mené des investigations qui ont conduit à la convocation d'Observateur Eben lundi 15 avril 2024. Je suis convoqué à la police criminelle des réseaux sociaux. J'aimerais déjà demander pardon à toutes mes victimes. Lui-même, il ne sait même pas. Tellement il a... Observateur a été placé en garde à vue. Le lendemain, il a été placé en détention provisoire. Son avocat s'insurge contre cette décision. Une enquête de flagrance, c'est quoi? C'est l'article 70 du code de procédure pénale ivoirien. Ça permet, lorsqu'un crime ou un délit est commis ou est en train d'être commis, eh bien, de mettre quelqu'un en détention le temps de son procès. Or, comme vous l'avez deviné vous-même, la vidéo date d'il y a 6 mois. Alors rien aujourd'hui ne justifie cette enquête de flagrance. Dans un communiqué publié sur Facebook, la PLCC indique que l'humoriste est coutumier du fait et indique l'objectif du suspect étant de s'attirer plus de vues et donc plus d'argent au mépris de la dignité et de l'honorabilité des autres. L'humoriste est également visé par une infraction de refus d'obtempérer. Il faut que l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre eux pourrait être mis en prison à raison simplement d'avoir diffusé une vidéo sur Internet. Observateur, aujourd'hui... Les gars, comprenez, hein. C'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est une maison d'arrêt qui est très particulière parce que très souvent, elle a été pointée du doigt par Amnesty International pour des conditions de détention dégradantes, attentatoires à la dignité humaine et contraires à toutes les règles d'hygiène et de santé. Je suis très inquiet aujourd'hui par les conditions de détention d'Observateur. Le web humoriste est connu pour ses vidéos provocatrices, des vidéos dans lesquelles il attaque certaines personnalités publiques, notamment celle sur le pouce du rappeur Didi B, qui a enflammé les réseaux sociaux il y a de cela quelques mois. Le procès d'Observateur Eben est prévu le mardi 23 avril à Abidjan. S'il est reconnu coupable, l'influenceur risque jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende et 5 ans d'emprisonnement. C'est pas possible. Oh, vous avez compris. 20 millions de francs CFA et 5 ans d'emprisonnement ferme. Tout ça pour la conquête des vues, diffamation, sabotage, atteinte à l'image. Les gars, faites très attention. Faites très attention, je vous dis souvent, ce qui sort de nos bouches ici-là. Ce qui arrive à Observateur, déjà, je lui souhaite beaucoup de courage. Et je souhaite vraiment que ce soit, bon, que dans les jours à venir, qu'on annonce qu'il a été libéré. Parce que ce qui arrive là, peut arriver à chacun de nous.
Tu peux poster un truc sur ta page comme ça, tu ne sais même pas que tu es en train, que c'est en train. C'est pour ça que chaque fois quand je sens que j'ai mis quelqu'un mal à l'aise, je reviens rapidement, je n'attends pas. Je demande les excuses, on me traite de lâche, de peureux, tout ça. Non! Ce n'est pas la peur, mon frère. Quand tu sens que tu as offensé quelqu'un, papa, demande vite les excuses. Demande vite les excuses. Papa, les réseaux sociaux, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Les petits qui passent le temps à saboter, à insulter, à dire des choses qui n'ont pas de preuves là. Méfiez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire est à côté. Hein. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire ou que le Cameroun est différent de la Côte d'Ivoire. Méfiez-vous les gars. Méfiez-vous de ce que vous postez sur vos pages et de ce que vous dites. Les abonnés sont toujours en train de vous encourager, en train de vous noyer. Mais quand le pire arrive, personne n'est avec vous. Le gars est en train de souffrir là maintenant. Écoutez, quand il disait même au revoir à sa femme, parce qu'il sentait déjà que c'était en train de cuire. Mais quand il disait au revoir à sa femme, il n'a pas appelé les abonnés, hein, mais il a plutôt demandé à sa femme de rester forte. Écoutez. Je pense à Coach Amoshik, peut-être c'est toi. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. Je pense à qui? Apoutou. Apoutou est qui? Lui-même, il ne connaît même pas. Je il ne connaissait même pas. Je suis appelé de père. Il avait porté plainte. Apoutou, je vais te donner une Audi. Tellement il a manqué de respect à plusieurs personnes sur sa plateforme. Et c'est très très sérieux. Et je tenais à informer mes parents que c'est mon métier. Surtout à ma femme, Kwasi Amlamba Isabelle. C'est mon métier. Et ça, il faut savoir, ma belle Isabelle. Ce métier m'a rendu heureux. Ça m'a rendu heureux. Tu m'as rendu heureux, ce métier m'a rendu heureux. Quelles que soient les issues, ne panique pas. C'est pas affaire de Jésus, parce qu'il sait qu'il est derrière moi. Mais ma belle, ne panique pas. Garde la tête haute. Garde la tête haute. J'en tirerai les conséquences positives aussi négatives. Pour ceux qui sont encore en liberté, tirez également les conséquences de ce qui arrive à notre collègue, que ce soit positif, que ce soit négatif. J'espère que le message est passé. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.